Bonjour, je vous montre comment réaliser des multi-écrans. Sur la base d'une timeline en 1920 par 1080, et sur la base, là actuellement, moi je suis en 3840 par 2160. Donc mes bases sont ici. Donc pour 4 écrans, voici les cotes. Si on veut positionner sur un demi-écran, et si on veut positionner sur un tiers d'écran. Alors on essaye. J'ai un rush ici qui est en 1920 par 1080. Les autres sont en 3840 par 2160. Donc Resolve l'a automatiquement adapté et donc on considère qu'il est en 3840. Donc si je veux faire un demi-écran, donc sur la base de 3840. Donc je peux déplacer mon rush à moins 1920. Donc il se trouve exactement au milieu. Mais ce n'est pas forcément la partie que je veux voir à l'écran. Donc dans un cas comme celui-là, il vaut mieux cropper. Donc je vais cropper à gauche, je vais cropper à droite. Je peux également déplacer le rush sur l'écran. Mais là, c'est plus difficile, vous voyez, à positionner. Puis je vois pas le milieu là. Faut que je remette à zéro ici pour être sûr. Donc pour retrouver le milieu, je vais prendre le rush dessous et je vais le mettre à 1920. Voilà, comme ça je vois le milieu. Et ça me permet de Ça me permet de repositionner ici. Voilà. Et à ce moment-là, je croppe un peu moins. Alors maintenant, celui de dessous, il suffit de le déplacer. Une fois que je suis sûr que je suis au milieu, je peux le déplacer. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas de deux écrans. Maintenant, si je veux en faire trois, donc je remets à zéro, je remets à zéro, alors trois, donc je vais cropper à gauche et à droite, donc 1280, 3840 divisé par 3. Et à droite, pareil, 1280. Admettons que je veuille conserver celui-là au centre, je suis sûr qu'il est au milieu. À ce moment, je déplace mon rush dessous. Et le troisième, alors je croppe ici la partie du rush que je ne veux pas voir. Donc je croppe ici. Voilà. Et dessous, eh bien je le déplace à l'endroit. Voilà. Je vais voir ça, donc j'ai rien d'autre à faire là. L'ordre des rushs, c'est celui-ci en haut à gauche, le deuxième en haut à droite, le troisième en bas à droite à gauche, et le quatrième en bas à droite. De l'ordre et de la méthode. Donc pour 4 écrans, je vais réduire le zoom ici à 0,500. Donc là, il est au centre. Donc on va le positionner en haut à gauche, moins 960.
Donc 3840 divisé par 4. Et pour le remonter, 540. Deuxième rush, pareil. 0,500, 960 et 540. Pour le troisième rush et le quatrième, moins, non pas moins, 960 et moins 540. Pas plus compliqué. Bonne journée ou bonne soirée.